welcome to tarsana's videos to read all of our full articles and watch our videos visit the website www.tarsananet and don't hesitate to write to us or comment on the subject <laughs> qui porte le numéro de COC 474, est un navire de débarquement et de soutien logistique, BDSL, appartenant à la marine algérienne. C'est le plus grand navire de guerre navale, de l'histoire de l'Algérie. C'est l'un des derniers navires militaires, équipés des dernières technologies militaires et navales. Capable d'intervenir et d'opérer à grande échelle, des tâches militaires, logistiques et humanitaires. Le navire, effectuer des missions de combat naval, de commandement et de contrôle des forces combinées air-mer, ainsi que des travaux de surveillance, d'escorte de convois, de transport de forces spéciales et de ravitaillement de la flotte. Le navire a été construit dans les ateliers de la société italienne d'ingénierie et de systèmes maritimes, Horizonte Sistemi Navali, qui est une filiale du géant italien des industries militaires et maritimes Fincantieri, dans la région de Riva Trigoso à Spezia, dans le nord-ouest de l'Italie. Version agrandie et améliorée, des navires amphibies italiens, de la classe San Giorgio. Il a une longueur de 143 mètres, et une largeur de 21,5 mètres, et son déplacement atteint 9000 tonnes à pleine charge. Sa vitesse atteint 20 nœuds, grâce à deux moteurs diesel, avec une autonomie de 6000 marines nautiques à une vitesse de croisière. Le pont contient le château ou le cockpit de commandement et direction, et deux emplacements pour la réception et l'atterrissage des hélicoptères à l'avant et l'arrière. En août 2011, après un an de consultation entre la marine algérienne et le complexe militaire industriel italien Fincantiri, les caractéristiques du navire italien que l'Algérie veut acquérir de l'Italie, se précisent dans le cadre de la tentative de la marine algérienne, de moderniser et d'agrandir sa flotte. En mettant à sa disposition, un navire de transport logistique, fabriqué par la société italienne Horizonte Sisteme Navali, l'affaire concerne le navire de la classe San Giorgio, après le rejet des offres françaises de DCNS, proposant son transporteur Mistral, et la société allemande TKMS, proposant son transporteur MHD200, en raison de leur refus de répondre à l'exigence algérienne, en matière de construction locale. La première toile d'acier a été découpée dans les ateliers du port de Rivatrigozo en février 2012, en présence de représentants de la marine algérienne et de représentants de la firme Fincantieri et du port de la Spezia. Le navire de commandement et de déploiement, Kala Abani Abbas a accosté au quartier général du commandement des forces navales de l'Amirauté, dans la capitale algérienne le 27 mars 2015. Le système de propulsion est basé sur deux moteurs diesel Vertsita 12V32 d'une capacité de 6 MW chacun qui permettent au navire d'atteindre une vitesse maximale de 20 nœuds. Il contient également quatre générateurs pour générer de l'énergie électrique en plus d'un autre générateur pour les cas d'urgence. Le navire Qal'at Ben Abbas est équipé d'un système électronique de pointe qui concurrence les forces navales mondiales. Il est équipé d'un système radar athena c ESA, Command Control Communication Computer and Intelligence, pour gérer les systèmes de combat coordonnés entre les groupes navals et diriger le commandement intégré de la défense aérienne et les opérations post-débarquement pour les forces débarquées. Ainsi que le système de navigation et de contrôle de vol de fabrication russe et le radar européen MPAR. Pour la recherche, le contrôle et le guidage des missiles dans trois dimensions, avec une couverture angulaire de 360 degrés, pour une portée jusqu'à 500 km, similaire à celle installée dans la frégate de classe Horizonte. Et ce radar est destiné à guider le système de missiles Aster 15 et Aster 30. L'aile de guerre électronique du navire a été équipée par les sociétés italiennes Electronica et française Thales. Et son équipement comprend également des lanceurs de missiles de brouillage, tandis que les télécommunications ont été confiées à une société italienne. Le système de tir du canon avant Otomelara est contrôlé par radar. Ce radar rend le navire Kalad Bani Abbas comparable en capacité aux frégates de la classe Frem. Le navire est équipé d'un système de lancement de 16 missiles sol-air de type Aster 15 placés sur le système de lancement vertical Silver pour les défenses anti-aériennes et anti-missiles et d'un canon avant de 76 mm produit par la société italienne Otomelara pouvant servir à la défense aérienne ou contre des cibles de surface. L'artillerie est complétée par la présence de deux canons latéraux de calibre 25. Le navire Kalad Bani Abbas permet d'emporter trois hélicoptères d'attaque, mi-24 ou mi-28, et cinq chars T90 pour les forces terrestres dans le hangar, en plus de transporter du matériel lourd. Il transporte également 450 soldats, des équipes de débarquement et d'assaut avec tout leur équipement. Le navire peut les engager ou les évacuer au moyen de navires de débarquement et de petites embarcations. Le navire a de grandes capacités amphibies, car il contient un bassin submersible à l'intérieur pour permettre au navire de débarquement d'entrer dans sa coque par la porte arrière. Et le même bassin peut être vidé et utiliser l'espace pour expédier 15 chars, véhicules d'infanterie ou 5 hélicoptères lourds, ce qui porte la capacité d'emport à un total de 8 hélicoptères lourds ou 12 hélicoptères légers et 20 chars. Ainsi que pour stocker du matériel avec la possibilité d'accéder soit depuis le cockpit et le pont via un ascenseur élévateur d'une capacité de levage de charge de plus de 30 tonnes pour les manœuvres aéroportées. Le quai du bassin est submergé pour accueillir les trois navires LCP conçus pour transporter des troupes ou des véhicules blindés depuis le navire jusqu'aux côtes et trois navires plus petits de type LCVP qui sont suspendus aux grues sur le côté gauche du navire. La péniche de débarquement large de type LCM et deux bateaux pneumatiques sont utilisés par les forces spéciales pour effectuer des accostages rapides sur les côtes ennemies dans des conditions difficiles, faisant du navire un outil de guerre-surprise efficace. Le navire contient également un hôpital d'une capacité de 60 lits dont deux pour la réanimation et des salles de chirurgie équipées de tout le nécessaire If you like this content then support us by pressing the thumb button share and subscribe to the channel to be informed of new publications and don't hesitate to write to us or comment on the subject